Wow! Bon anniversaire, Gilles! Bon anniversaire, Gilles! Whoop! Les 73-51, Gilles, et bon anniversaire! Il y a déjà un QSO, il y a un QSO derrière en même temps, en parallèle. Ah, je l'ai fait fuir. Thank you, 73. Charles Z116 equal Kilo Delta X-ray. 116 equal Kilo Delta X-ray. Charles Z. Ah, je crois que j'ai compris, quoi. Les 73-51 à la frontière franco-belge. Tiens, j'ai une news. C'est l'anniversaire de Gilles aujourd'hui. Waouh! Et 73, 14 km, 33, 26. Oui. Ah, je disais les 73-51. Oui, je me suis trompé. C'est bien 14 km 33-26 ou 33-23? Ah, t'as réussi à me mettre le doute. Oui, c'est ça, 33-23. Il y a une personne en Égypte. Derrière, il y a la frontière franco-belge. Il y a le Québec. Alors le Québec, j'ai entendu juste avant là de démarrer au niveau vidéo. Il y a la frontière franco-belge là qui passe derrière là qui est pas très fort, mais pour entendre vaut mieux ne pas avoir de QRM, c'est sûr. Ah. Par contre, je crois qu'il y a le Brésil aussi en même temps. Ouais, j'ai cru reconnaître le groupe Alpha Tango qui sont toute l'année, tous les ans en contest. Hachi. Et ils se sont octroyés la fréquence justement du groupe des Tanans du Québec qui sont là depuis une bonne quinzaine d'années. C'est pas cool. C'est ce qu'ils appellent eux avoir l'esprit radio. C'est ça. Et moi, je suis resté sur la même fréquence hier. Moi, j'ai dit si je t'entends. Je l'ai mis tout à l'heure, là, ce matin. J'ai dit au cas où que je l'entends. J'entends parler en QRP derrière, c'est pas évident. De toute façon, la Vuilleur, c'est vrai que c'est. Là, il est quoi? Il est 8h là-bas au Québec. Oui, Gilles doit être derrière sur la fréquence depuis un petit moment déjà, je pense. Mais là, il y a quelques minutes là que je l'ai entendu là. Et c'est pour ça que j'ai sauté sur le micro pour lui souhaiter un bon anniversaire au vieux. Ok, moi j'entends pas moi. Oh mais t'inquiète pas, là il a pour l'instant il doit être occupé de son côté là. Il a lancé l'hameçon. Alors son hameçon, lui, c'est de déclencher ses doubles bips. Et comme on les connaît par cœur, ces doubles bips, forcément on réagit derrière. Là, il doit être occupé en train de regarder des messages certainement là sur Internet, hein, ceci, cela. Et quand il va reprendre le micro, il y a des chances que tu te rendes compte de suite. Hein, parce que, comme tu le vois dans mes vidéos, il passe super fort. Hein. Wow. Aujourd'hui j'ai du mal à te sortir, hein. C'est un petit peu compliqué. J'ai un chouïa de QRM là de mon côté. Je regarde si mes filtres, ouais, les filtres sont enclenchés, oui. J'ai un chouïa de QRM de mon côté et ça suffit pour que j'ai du mal à t'entendre. Et je me suis entendu à la fin et je me
Oui, oui, oui. Et toi, là, par contre, là, aujourd'hui, tu es, puisque tu me l'as fait remarquer, là, dans le message, tu es pile sur la fréquence. Toi, comme quoi, hein, suivant la température du poste, ça veut pas. Bon, et puis, de toute façon, c'est que des miettes, hein. Tu serais, par exemple, sur le 27625.10, enfin, .100. Bon, là, d'accord. Mais là, c'était vraiment des miettes. Hein. Hier, c'était... Il y avait quoi, déjà je sais plus, 20 Hertz ou un truc comme ça, quoi. Je crois, mais ben, pas plus. C'est vraiment de la broutille, ça. Ben oui. Écoutez, j'aime aussi, mais pas beaucoup, mais j'ai du mal à entendre. Ça fait la voix, c'est vraiment trop noir. Ouais, il y a quelqu'un qui se fait entendre. C'est la frontière franco-belge ou la frontière allemande? L'un ou l'autre? Le bonjour retourné de 14 km 33-01 en compagnie de 14 km 33-23 qui lui est sur Libourne. Voilà. Alors Gilles, je sais pas ce qu'il fait, il doit être en train d'ouvrir ses cadeaux d'anniversaire. Oh oui, il y a des chances. Alors j'entends un peu gazouiller dans le lointain, mais là je suis pas mal en QRP. Et en plus de ça, je suis en simple écoute, vu que je suis pris en même temps sur le PC, quoi. Bon, je vais passer en QRX momentanément, le temps de finir là ce que je suis en train de faire sur l'ordinateur, parce que je vais pas y arriver. Et je reviens de suite. Qu'on n'est pas multitâche, on n'est pas multitâche. Hop, à nouveau les doubles bips. Oh, ça passe. Oh, ça marche bien. Bon anniversaire, Frangin. Les 73-51 du matin, malgré qu'il soit 2h25 PM ici, Hachi. Bon anniversaire, laisse-toi gâter, envahir de cadeaux de ton côté. Merci beaucoup, avec plaisir, et encore, t'es pas au bout de tes surprises là pour le QSO là aujourd'hui. Ah ben c'est que tu passes carton, hein. C'est faut arrêter d'astiquer l'antenne comme ça au miroir là tous les jours, hein. Putain, moi aussi je vois que là ça passe bien. J'ai un espèce de retour là sur le web SDR d'Ottawa. La vache, la propague est bien là aujourd'hui aussi, hein. On va le faire.
La frontière franco-belge. Oups, désolé. J'ai attendu beaucoup de stations en même temps, mais il n'y a pas de problème. Rémi, tu retournes le micro. Ok, alors je sais que là apparemment tu l'as pas entendu. Tu es à la frontière franco-belge qui te souhaite un bon joyeux anniversaire. Ouais, ça part en sucette. Elle fait le yo-yo, la propague du côté de la frontière franco-belge. Et comment tu sais que c'est un an de plus? Ok, je vois Gilles qui reprend pas. Et Claude, la frontière franco-belge, comment le sais-tu que ça fait un an de plus? Hachis trois coups! Ok, bon Gilles, Claude, la frontière franco-belge, c'est un peu compliqué là en ce moment de son côté, là au niveau Propag. Il reviendra tout à l'heure. Ouais, je sais pas, c'est en tout cas moi de mon côté. Alors attends, au niveau WX, bon bah là je suis dans le brouillard. Depuis ce matin, je suis toujours dans le brouillard. Et là je suis au niveau température 9 degrés. Alors sur mon QTH, j'ai remarqué que la propague arrive de plus en plus tôt. Alors ce matin vers 8h30, c'est-à-dire 2h30 pour toi. La propague était déjà là, quoi. Mais plus du côté des pays de l'Est et plus bas vers le bas de la bande. Autrement dit, j'ai tourné sur le 27-185, le 27-325, j'ai tourné et même un petit peu plus bas, toujours sur le 27 mégas. Et j'entendais surtout des pays de l'Est en FM, toi de ce côté-là, quoi. C'est plutôt que les jours précédents, oui. Alors là, je sais pas ce qui se passe au niveau de la propague, mais là c'est en train de tourner, en tout cas là au niveau horaire. Ah oui. On va lui aider, hein, parce que moi, je suis sur le 8. Aïe, 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 aïe. Oui.
Hey, tout à l'heure, je crois quand t'es arrivé, tu tournais autour de Santiago entre 2 et 5. Là, t'es monté à 8. J'imagine, je devine, rentre pas dans les détails, c'est pas la peine. Ah, j'entends quelqu'un derrière. Ouais. J'ai entendu quelqu'un sur l'autodation. Son poste, il doit être froid. Ah, c'est plus cela que j'entendrai mieux. C'est pas évident pour sortir. Hein. Il y a un QSE parallèle, j'entends ça là de ton côté. Hein. Hop là, désolé, 14 km 33-23, on a repris le micro en même temps, vas-y. Ah non. Les 73-51, Francis de Toulouse, de 14 km 33-01, Rémi, à côté de Saint-Émilion. Eh, hey, je te le dis comme ça dans le coin de l'oreille, c'est son anniversaire aujourd'hui. No, no, no.
Ok, on va bien voir. Attention, 14 kilomac 33-23. 14 kilomac 33-23 sur Libourne. Est-ce que tu es toujours là ou tu es reparti? Ah, j'entends une NOM du Québec, là, de ton côté, Gilles. Bon, apparemment, de mon côté, 14 kilomètres, 33-23 doit être occupé. Alors, il s'agit d'un jeune, hein. En plus, tu vois, là, comme quoi la CB intéresse les jeunes. Alors, par contre, j'ai entendu parler québécois de ton côté, Gilles. Ou alors, je me plante. J'ai peut-être confondu un Québécois et un Brésilien. Mais... Là, c'est le Brésil que j'entends là. Lui, il a fait des études supérieures. Je sais pas combien de langues il parle. Bon, je crois que ma rampe lumineuse en rouge, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve que sur les vidéos, ça flash moins, ça agresse moins l'œil. Ouais. Bon, évidemment, c'est pas sorti avec le bleu là de l'affichage, mais bon, je trouve que c'est mieux comme ça. Il y aurait un bleu foncé là dans le choix des couleurs que je le mettrais. Enfin, un vrai bleu, ouais, un bleu foncé, ouais. Mais là, c'est pas le cas. Alors, je sais pas, je verrai bien dans ces vidéos s'il y a quelqu'un là, mais là, moi. C'est le vide. Bon, j'avais fait une petite pause vidéo, mais bon. Alors, voyons un peu ça. Solar Am. Ah, c'est la même carte, c'est la même photo. Yep. Excusez-moi si la module est un peu élevée, c'est pour un peu. Je
voir sur le forum. Dans la colonne de gauche, là, sur le forum, vous trouvez là, plusieurs trucs là, en rapport justement avec, avec la propague. Aïe aïe aïe. Il y en a qui se sont mis juste à côté de la fréquence. Il y a des stations qui se sont mis juste à côté de la fréquence. Ah, ben d'accord. Bon bah du coup, j'ai le 27-627, je comprends pas trop, on verra bien. Et vous vous êtes mis sur le 627? Pas étonnant que j'entendais de la moustache, quoi. Ah, chi! Je suis monté pour vous retrouver ici, quoi. Thank you.
Les 73 de Québec-Canada, 14 km 3301, Rémi, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Eh bien tiens, Gilles est juste sur la fréquence d'à côté, 27-627. Mais en le moustachant, il va vite revenir sur le 27-625, je le sens bien. Jean-Luc. Ah, ça va super bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gilles. 9 bravo Charlie 555. Alors, tout le monde se rue pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et tiens, côté météo, eh bien, ici, moi, là, sur le département de la Gironde, sur le sud-ouest de France, je suis dans le brouillard avec 9 degrés. Ok, il est juste sur la fréquence d'à côté, bouge pas, je vais le chercher, j'arrive. Ok Gilles, t'es là derrière, pas de problème, tu as Jean-Luc qui est là avec nous. Bon, je rentre là, je suis clarifieur. Vous avez vu, sur des fréquences trop près l'une de l'autre, comme ça, c'est pas évident. Là, il faut vite faire un choix. Quoi. Chez nous aussi, vers le nord de France. Oh. Il passe fort aujourd'hui. Wow. Yeah.
C'est pas sûr, oui. Hein. Oh, ça marche fort. C'est là qu'il faut jouer du clarifieur pour isoler la personne. Ah oui. Oui, on casse la baraque ce matin. Comme ça, on rentre pas mal chez vous. Ah oui, c'est très très bon. Je suis bien content que vous nous sauvez 100 000 $ ici. Un petit peu de difficulté, là, c'est bien entendu. Très très bien entendu, ça a très bien passé. Là. Bon, oui, fait que là, on est bien équipé, assez bien équipé. Oui, je suis bien content que ça passe bien sur la baraque ce matin. Plus de 20. Et 9 plus 10, 9 plus 20 chez moi. Ah, chez trois coups, oui, tout à fait, oui. Ah oui, oui, ça booste, hein. La vache, c'est là, on est en local. Hein. Vu les signaux que j'ai de mon côté, et puis c'est vrai que là, Jean-Luc, putain, j'ai halluciné. J'ai vu le S-Met monter à 9 plus 20. Je me suis dit, là, il se passe quoi, là? Ah, c'est génial. Alors là, pour le coup, avec des signaux plus comme ça, ils passent, eux deux, là, passent plus fort depuis le Québec que les stations locales. Hachis trois coups, oui monsieur. Son poste est chaud maintenant, Jean-Luc. Ah, j'entends quelqu'un en QRP là, Gilles, de ton côté. Sur les téléphones, mais... Oh,
Exprime-toi, Gilles. Non, c'est un OM, un francophone, Gilles, qui t'appelle. J'entends ça de ton côté, là, sur le Wabes d'hier d'Ottawa. C'est un francophone qui t'appelle, Gilles. Attends, ouais, mais c'est que c'est bien, je l'entends pas en direct, hein. C'est vraiment de ton côté que ça passe, Gilles. J'adore l'action. Merci beaucoup.
accent rocailleux est excellent. Rémi, est-ce que tu arrives toujours à entendre Gazou Gazou à la ligne 180? Rémi, à toi le micro. Oui, affirmatif. Les bonnes 73, 51, lui, 14 km, 33-01, Rémi. Voilà, Dandy 33 sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion, dans la région du Castillonnet. Voilà. Et Gilles, je viens de rentrer là, deux indicatifs là sur Cluster DX. Là, je suis en train de faire comme toi, du moins j'essaie, quoi, parce que j'ai pas la même motivation. Oh ben. Mais moi, il passe. Les 73, 51, Alain. Les 73, Alain, 14, Gazou, Gazou, 80. Bon, oui, puis on a copié, j'ai copié ici à la Belgique, je pense, en matin, moi, si vous comptez. Peut-être coupure en vidéo pour relancer ensuite. Ça passe bien la Belgique. Ouais, ça passe bien. J'ai entendu un autre gazou, j'ai entendu 0,36 et 14 km, 33 jours.
12. Ah, 0312. Oui. Salut Franck. Je ne sais pas si j'ai le vent. Est-ce que le train qui est en train de monter la terre, l'aluminium? Des fois, même si une station est bien... Après. Passe trop fort. Alors des fois, même si une station est bien calée, pour mieux la sortir, il est bon de se décaler un petit peu au niveau du clarifieur. Hein. Comme là, en mettant le clarifieur un petit peu plus bas, on peut arriver à mieux le sortir. Donc, je passe à l'arrière de l'homme qui est ici. Bon, mais écoute, tout va bien.
proche et puis avec un petit couvert. On avait un temps qui était plus très beau ce matin et après un couvert au Saint-Louis de Belle. Oui, KSL, KSL, je pense qu'on va voir un peu semblable, hein, c'est côté du ciel, là, il n'est pas trop trop, pas trop trop dégagé, même chose ici, hein, ça se prépare pour une petite tempête, là, et puis on avait attendu, il y a un petit peu le plafond qui est tombé hier soir, et puis, mais là on est prêt, hein, on est prêt pour recevoir tout ça, on est dans le négatif ici, mais quand même, on a le moins 10, alors, environ ça. Cette nuit, il y a peut-être moins 13, moins 14. Alors, on fait avec, hein, on fait avec, Jean-Noël. Ben, les bons chiffres renouvelés, et puis amplifiés, mon ami, toujours mes amis sur QRA. Oui, c'est Francis, j'ai bien noté, mais merci pour le retour. Ça m'a retourné au micro, mais ça m'a pas réduit, c'était pas là. Alors, encore au niveau sur 14 kilomètres, 33-01, réuni, dans les 73-51 aussi de France. France 03-12, réuni à toi. Merci, 14 km 0312, les 73-51 lui. Alors je l'ai, il est dans la boîte. Je l'ai même rentré sur Cluster DX à l'instant même. Alors c'est du Santiago 1 là de mon côté, Radio 3-4. Mais bon, je l'ai sorti quand même. Donc les 73-51 retournés à lui et il a une EQSL qui l'attend sur Cluster DX, Hachi. Alors, 71-13. Ok, alors attends, 71-13. Je suis là. Ok, je vais faire en même temps. Les 73-51, 14 km, 71-13. Avant que je zappe, je vais t'envoyer une EQSL. Je sais pas si tu es sur Cluster DX, mais si tu n'y es pas, c'est pas grave, tu l'auras pas. Hachi! J'ai zappé. Redonne-moi l'indicatif, Gilles, je l'ai mangé. Et il manque quelque chose. 14 km 1-1-3, c'est pas possible. Il manque quelque chose. Il manque un chiffre. Non, c'est pas 1-1-3. C'est pas loin, il manque juste un 7 au début. 7 de 7e, 1 unité, 2e. Ah, 71-16. D'accord. 14 km 71-16, c'est ça? Ok, bon attends, Cluster MDX m'a déconnecté. Ok, d'accord, 71-13. C'est avec moi votre permission, je refais que telle est la partie sur 14 FDX 373 Joël 73-51 Joël, de tout l'attente du groupe, c'était toujours avec vous. Merci beaucoup de ta patience, Joël. Merci, les 73. Merci.
il est sur piston DX. Je le vois. Je veux tourner la page et voir si notre ami Francis a une meilleure copie de son côté. Et puis on fait tourner Francis sur Toulouse. Je suis motivé aujourd'hui, moi. Hop, ça a tourné là. On fait la girouette la compagne. Il y a d'autres sites cluster, hein. Mais bon, visiblement, c'est celui-ci qui regroupe le plus de monde. Passe pas ni d'un côté ni de l'autre. Elle est où? C'est ça, parce que si t'as entendu, tout ça répondait.
de notre ami Émile. Bon anniversaire, Gilles! C'était gueulante. C'est clair, Pierre. Ok, QSL Gilles, mais lui j'ai eu du mal à le sortir. Hein. Mais tant mieux qu'il écoute mes vidéos, comme ça il pourra voir ce que ça donne aussi également de mon côté. Les 73-51 à lui, 14 km 33-01 Rémi, sur le Castillonnet à côté de Saint-Émilion. Et au fait, Gilles, bon anniversaire! Je sens que quand ça va être le mien, je vais le regretter. Je vais m'échapper. Je suis là pour foutre la merde, mais après... Bon, je plaisante là-dessus, mais... perso, j'ai horreur d'être mis au devant de la scène comme ça, quoi. Là, je blague, hein, mais j'aimerais pas que ce soit mon cas. Il y en a qui passent une musique d'anniversaire. Six deux zéro. C'est juste à côté, ça va moustacher. Thank you.
longue, là, c'est marqué, là, c'est un petit, très petit. Donc, bravo, Charlie, 555, et vous envoie le 7351, ça, c'est bien ici. Alors, attention, on a bravo, Charlie, 555, à l'écoute. Moi aussi. S'il l'entend pas, alors là. Mais qu'est-ce qu'il comprend pas là? Je comprends pas là. On dirait un langage de sourd, hachi. Là, je les réponds. Merci beaucoup, Francis. Mais de tout l'ensemble du groupe, je te souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée aussi. Hein. Bonne fin d'après-midi, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup toujours hein, de ton sympathique coucou sur le CSO journaliste des talents. Et c'est toujours un plaisir, hein, toujours un plaisir de t'entendre. Et puis, porte-toi bien, Francis, et peut-être à demain. C'est Dieu. Et pas de soucis, et encore une fois, à tout à l'heure. Et 73-51, Francis, bon après-midi. T'as mis de la musique, Gilles, de ton côté? J'entends ça sur le web SDR d'Ottawa. Hachi, trois coups. Oui, c'est Jean-Noël. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière. J'entends vous aussi, quoi, tu es avec une station sans côté, peut-être sur Bordeaux. Et puis, plus les stations qui sont en parallèle. Et puis, des petits corps, il y a des petits corps. Mais comme on dit, quand c'est des petits corps, c'est que la fréquence.
fonctionne très bien dans l'OL. Je croyais qu'il QRT. J'ai pas tout compris, moi. Ah, j'ai confondu. Bon après-midi Jean-Noël, à plus. Excellent. Merci, à bientôt. Hey Gilles. Bon anniversaire, Gilles! Bon anniversaire! Merci beaucoup. Dans la joie et la bonne humeur. Hey, c'est le pays du rouge ou le pays du blanc? Il n'a pas compris. Pas grave. Ouais, le Québec-Canada. Il est où? Et si on multiplie, si on additionne tous les 40 cm, ça fait une sacrée épaisseur. Oh oui, je pense, oui. Et quoique chez nous, enfin pas sur le sud-ouest de France, mais vers au-dessus de Paris, là, par là, hein, depuis de la Normandie là jusqu'à Paris, là, de ce côté-là, ce soir, il a annoncé de la pluie verglaçante, et après, en suivant, de la neige. Alors, eux, là-haut, ils vont avoir de quoi s'amuser. Ah ça, à propos de pas bon pour les antennes, il y a l'île de la Réunion aussi, là, justement, là, hier, où ça n'a pas été bon du tout pour leurs antennes, avec le cyclone qui est passé sur eux. On est sur le lit, mon ami. Bon, oui, ici, moi, je vais laisser mon antenne à tous les jours, que tu peux, que tu tombes le plus.
La façon de visiter le terre, là, je vais faire visiter la hauteur, mon entend, là, au coin. C'est un tornado, mais on a fermé la ventilation, hein. Oh oui, monsieur. Oh oui. Gilles aussi, hein, je sais, là, il nous montre dans ses vidéos, il la surveille bien aussi, son antenne. D'ailleurs, je crois savoir que Gilles, à son antenne, il a mis une laisse à chien pour être sûr qu'elle s'échappe pas, l'antenne. Achidikou. Ok, retour sur Gilles. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris sur la fin. Oh, j'ai cru entendre un break du Québec. Oui, je sais pas, j'ai pas compris. Le break du Québec qui est arrivé sur le QSO, en avant, les bottes 73 de 14 km, 3301 Rémy sur le département de la Gironde, Sud-Ouest France, en compagnie de plein tout le Québec. Tout le Québec qui est rendu sur le 27-625 pour souhaiter le bon anniversaire à Gilles. Ah, c'est trop QRP pour moi, Gilles. Là, son poste, il est bouillant. Hein. Ah non, c'est une autre station. Thank you.
radiation nous joue un peu du tour, hein, mais Paris va passer, Stéphane, n'a pas de soucis. Une année avec un métrique, et puis je vais mettre sur plan service, si c'est sur plan service, Stéphane, tu es là? Non, il n'y est pas. Merci pour le retour, les 73-51-14-Sierra-Alpha-01 de 14 km 33-01 sur le département de la Gironde, dans le Castillonnet, à côté de Saint-Émilion. Alors c'est un CQRP de mon côté, hein, c'est Radio 2-3, Santiago 1, pas plus. Et au fait, Gilles, bon anniversaire. Ah, tu m'étonnes. Attention, Jean-Luc, Pont Stéphane, 14-01 sud-ouest de France. Jean-Luc, c'est un bon copie sur Stéphane. Jean-Luc, à toi. Il y a 19 mètres. 19 mètres de haut, il est là. Ça fait une belle hauteur. J'aimerais bien avoir mon antenne aussi haute. Là. 19 mètres, la vache. Merci beaucoup, bon anniversaire, merci beaucoup, et j'apprécie d'avoir pris le temps de le poser.
Oui, je crois que j'ai entendu 14 Delta Alpha, l'opérateur aussi, c'est bien ça? Merci beaucoup, merci beaucoup, mon ami. 14 Victor Delta, 132, c'est très apprécié. Les banquiers 73-51, renouvelés, qui est aujourd'hui, mon ami, je pense que vous êtes en côté. Santiago 1 aussi. Ben, bon bricolage, mon ami. Bon bricolage. Et merci beaucoup d'être passé pour la QSE. Oui, en plus la QRE. QSE aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Et puis, bonne soirée, bon midi, bonne écoute. Gilles. Aïe, 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 aïe. Bon anniversaire. Oui, qui est-elle, merci beaucoup. Tu vois, moi, de mon côté, quand tu verras sur la vidéo, je transmets toujours à la même place. Mais quand je reçois des soirs, ou hier, ou aujourd'hui, je vais m'emmener du côté gauche avec la réception sur le... Ah ouais? Ah, il y a Brasilia qui est là. Mais bon, j'ai l'impression que c'est... je sais pas, je suis en train de chercher une connerie. Hein. Ah, de toute façon, je parle pas le brésilien, je te le laisse. Et puis... Des YL avec une paire de noix entre les jambes, c'est pas mon truc. Bon, je suis moqueur. Pour la région. J'ai eu une bonne vie au maximum. Voilà, les clients, ils sont...
vu l'heure, ça n'a pas tardé à toucher à la fin. Ouais, je vais pas tarder à QRT. Je vais avoir l'XYL qui va arriver, il a du boulot. Elle va vouloir un peu le tranquille, être tranquille, ce qui est normal. J'allais prendre le micro, mais j'entends du monde. Trop petit. Jacques. Ah, elle vient d'arriver. Break, Gilles. Thank you.
Break pour Rémi. Ouais, break pour Rémi. Désolé d'avoir insisté un petit peu dans les breaks. Je vais passer en QRT les 73-51, tout le monde, à l'ensemble des stations du QSO. Bonne continuité de QSO de votre côté. Et Gilles, je ne te l'ai pas encore dit aujourd'hui, bon anniversaire. Merci, tout ça retourné. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.